en triomphe. Ah. J'ai annoncé une marche sur l'Empire Pala qui règne sur le Bengale. Le général Arayan est déjà en route à la tête d'une grande avant-garde. Ensemble, nous rapporterons les eaux sacrées du Gange sur les terres Chola pour que les dieux puissent bénir notre royaume. Et ce faisant, si je peux vaincre l'un des plus grands empires du monde connu, alors tant mieux. Il a changé. C'est un peu le melon, je pense. Ça, c'est terrible. La melonite. Combien ont perdu la tête ? Ah. Excellente, excellente musique. Alors, attendez les instructions. Je suppose. Ah non, quand même pas. Alors, retrouvez le général Arayan près du corps de l'armée Bengali. À amener Rajendra dans les villes conquises ou alliées pour gagner le contrôle de leurs bâtiments de production. Tant que vous avez des réserves de nourriture, vos soldats régénèrent leur PV lorsque vous provoquez 110 points. Ah d'accord, 110, on récupère nos... Ok. Améliorer le moral des troupes en utilisant vos héros au combat. Vous obtenez ainsi des points d'attaque supplémentaires pour tous vos soldats. Ces points seront perdus si vos héros sont désarçonnés. Oui. Rajendra commence à l'âge impérial avec une limite de population de 200 unités, ne nécessitant aucune maison, mais ne pouvant pas construire d'armes de siège lentes, à l'exception des éléphants blindés, avant d'atteindre le général Arayan. Dans cette mission, vous ne disposez pas de votre propre économie et ne pouvez pas former d'unités économiques telles que les villageois ou les navires de pêche, ni de navires marchands ou de transport. En revanche, vous recevrez des ressources de vos alliés de Vengi, ainsi que des villes que vous aurez conquises en allant au Bengale. Pour gagner, vous devez trouver un équilibre entre modération et opportunisme. Pour gagner, vous devez trouver... Si vous vous précipitez pour battre Maya Pala, avant que son armée n'atteigne sa pleine puissance et que sa merveille ne soit achevée, vous risquez de distendre vos lignes de ravitaillement, mais si vous avancez lentement, vous permettez aux Bengali de se renforcer complètement, ce qui compliquera la bataille finale. Piller la campagne et terminer les quêtes secondaires ralentira votre avancée, mais les ressources et les technologies autrement inaccessibles qu'elles fournissent pourraient s'avérer indispensables par la suite. Les bâtiments financiers de Maya Pala se trouvent sur les rives du Gange, ce qui rend vulnérable aux incursions navales. L'armée de Rajendra en rouge est arrivée dans la ville alliée de Vengi. Vous pourrez augmenter vos forces de départ ici, mais vous ne pourrez pas y rester trop longtemps avant de reprendre votre marche vers le Bengale. Kalinga est proche de Vengi et ses défenses sont relativement faibles. Sa défense sera principalement assurée par ses éléphants archers et son infanterie. Au-delà de Kalinga se trouve la ville fortifiée Tuktala, dont les murs risquent de représenter un trop grand défi pour un assaut de front. La ville se défendra principalement grâce à son infanterie, ses fantassins à arc lourd, ses armes de siège. Au bout de la route se trouve l'Empire Pala, dirigé par le grand empereur bengali Maya Pala. Celui-ci a établi son camp sur les rives du Gange et formera une armée vaste et diversifiée, composée notamment du redoutable Ratha, le char de guerre bengali. Le général Arayan, un vétéran de la campagne contre l'Empire Chalukya, a établi un camp avancé près de la position bengali où il vous attend. Les villages locaux qui parsèment la campagne sont des cibles privilégiées de pillage. Vous pouvez également rencontrer des groupes de bandits, mais ils ne devraient pas faire le poids face à votre armée. Le voyage qui nous attend sera long et laborieux. Mais gardez le moral, soldats. Une fois que l'empereur du Bengale sera mort sur le champ de bataille, vous boirez tous au fleuve sacré du Gange. Alors, est-ce que cette fois t'as un intérieur ? Le bruit court qu'une vaste force Chola marche. Pensez-vous vraiment, Rajendra, que votre armée d'avant-tour peut se mesurer à l'Empire Pala? Si ma mémoire est bonne, vos prédécesseurs ont connu quelques déboires, non? Merde.
Nos soldats manquent de provisions, empereur. Puis-je suggérer une excursion rapide dans la campagne pour faire quelques pillages? Les paysans ont d'excellentes réserves de nourriture à cette époque de l'âge. Le royaume de Kalinga est le premier obstacle sur notre route. Nombre de leurs soldats sont dispersés dans la campagne. La ville devrait donc être simple à conquérir. Les soldats sont là. Verrouillez les portes. Quittez vos postes. Je veux dire, défendez la ville au péril de vos vies. Donc là, on peut pas faire de... Sari, ungal sitta. Aayudhathai ezhuppadiye paaindhu thaakku munneru. Ah oui, Camarie. Kalinga nous appartient. Reposons-nous et soignons nos blessures avant de poursuivre notre marche. Il semble que le roi Indrarata a décalé en voyant nos forces à l'horizon. Il se terre actuellement dans une petite forteresse dans les montagnes et prévoit de nous attaquer par derrière une fois que nous aurons quitté la ville. Nous pourrons anéantir le peu de résistance qui reste. Il paraît que vous avez capturé Kalinga, Rajendra. Moi aussi, vous savez, j'ai marché sur une fourmi ce matin, mais je ne m'en vante pas. Mal. Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. Sari, appadiye inda ganame pogire. Ungal sitta. Sari, ayya. Sari. Et lui, on vous quitte 110. என்ன கட்டளை சரி ஐயா? Ah si je vais aller là-bas par exemple. Que là my gars pas là. Je vois pas comment je vais y arriver. Bon. Qu'est-ce qui attaque? சரி. அப்படியே. உங்கள் சித்தம். Sari, inda ganame pogire. Plutôt les gens de l'autre village là-bas. Ils ont plus de nourriture que nous. Inna kattalai munner. Ungal sitta. Kala se tient devant. Inda ganame pogire. Sari, inda ganame pogire. Aayudhathai inda ganame pogire. Munner. Sari ayya, appadiye. Sari. Aayudhathai edu. Sari ayya, paaindhu thaakku. Ungal sittam. Oh, my God.
auparavant. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils tomberont. Non, on peut pas fermer. Non, ouais, c'est que ça rapide quand même. J'ai mal à voir comment on peut s'en sortir, mais bon. Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavu. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. Go. Incroyable qu'il forge tout ça, c'est dommage. Kala est à nous, mais nous ne pourrons pas rester ici longtemps. Renforçons notre armée et affrontons l'empereur du Bengal au combat. Il y a quelques semaines, des bandits ont volé une relique de notre monastère. En tant que nouveau souverain, nous vous demandons de la restituer. J'aurai besoin d'un max de ça. Ça ne marche. Ouais, maintenant je comprends le pourquoi du comment. Ungal Sittam, enna kattalai appadiye.
Il y a une plaine générale. Non. C'est bon de te revoir, Rajendra. Maipala a déployé son armée sur le champ de bataille et se prépare à attaquer. Mes soldats et moi avons bien exploré la région. Nous ne combattrons pas à l'aveuglette. Nous devons nous dépêcher de sécuriser notre position. Préparez-vous au combat. À la fin de cette journée, nous laverons le sang de nos ennemis dans les eaux sacrées du Gange. Un navire rempli de ressources est arrivé de Tantarou. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. Ungal Sittam. சரி, உங்கள் சித்தம். சரி, அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. D'accord pour dire qu'on risque de se faire péter le cul quand même. சரி ஐயா. Ma dynastie a appris il y a longtemps à ne pas entreprendre de campagne extravagante comme la vôtre, Rajendra. À présent, nous allons inculquer cette même leçon au Tchad. Envoyez les ratas! Bon, je crois qu'on a été un petit peu trop, comment dire, optimiste. Je pense que c'est le mot. Attendez, je vous dis, bon, allez. Ah, c'est pas ça. Bon, c'est pas passé. C'est bon de te revoir, Rajendra. Maipala a déployé son armée sur le champ de bataille et se prépare à attaquer.
Non, t'inquiète quand même. Soldat et moi avons bien exploré la région. Nous ne combattrons donc pas à la retraite. Un petit peu quand même. Nous devons nous dépêcher de sécuriser notre position. Préparez-vous au combat. À la fin de cette journée, nous laverons le sang de nos ennemis dans les eaux sacrées du Gange. Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. Ungal sittam. Sari. Enna kattalai inda kanamai pogiren. Sari ayya. Appadiye. Ungal sittam. Sari. Sari ayya. Inda kanamai pogiren. J'ai envie de tenter un truc. Enna kattalai. சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் அப்படியே சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் பாய்ந்து ஆயுதத்தை எடு சரி சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு a appris il y a longtemps à ne pas entreprendre une campagne extravagante comme la vôtre, Rajendra. À présent, nous allons inculquer cette même leçon au Chola. Envoyez les ratas ! Ah, on focus, on focus. Mais... Un navire rempli de ressources est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. Enna kattalai appadiye indicate. Sari, aayudhathai edu. Enna kattalai la demandade.
Cette stratégie les a complètement déroutés. Et on a... On vient un peu voir que le temps joue contre moi. La deuxième vague. Non, je vais perdre en plus si là. Merde, je suis trompé. Ouais, mais c'est que s'ils finissent à. Ça me saoule là, l'émission, elle est con comme ça. Thank you.
Un navire rempli de ressources est arrivé de temps. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. En fait, ça serait possible, mais. Il s'y produit des unités. Donc, le bûcher, c'est compliqué. Là. Putain, mais là on peut faire des trébuchés. Oh, tu sais quoi, ça me casse les couilles, je suis mort. Donc c'est bon. Non, bah oui, bah oui. Pourquoi je peux faire les trébuchés, hein, putain, je peux pas. On va finir le boulot. Bien qu'on s'en jaille, mais. Ils sont moins de taf, quoi. Ah, putain, la technique était pas mal, hein.
உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி pas le temps de tirer. Un 49. உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் எடு T'es mort, alors ça c'est le genre vraiment de mission que je déteste. L'autre il a mis la putain de ressources infinie. Toi tu niques ta race. Vraiment, vraiment deux maps que je déteste. On va jouer. Sari, inda ganame pogiren. C'est mon point fort. Alors, part en même temps. En même temps, il y a moyen de faire quelque chose.
Je vais le tenter. Orthodoxe. On s'en fout un peu. Est arrivé de Tanjavur. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. Putain, j'ai marre de mort. Est-ce que on tient encore un peu? Oui. Il en a sauvé la bête. J'ai envie de dire maintenant qu'on a défoncé ça. On va revenir. Comme ça, il est un peu. Allez, c'est trébuché le bâtard. C'est que dans aucun des autres. Thank you.
Je vais tenir. Le plus dur a été fait entre guillemets. On va essayer de gratter des trucs autour. Désolé, ce petit punk pop. Je pense qu'on l'a calmé quand même un petit peu. Sariya, aïe de yed. Munir, in the Ganami Pokerie. இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் கணமே போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே உங்கள் சித்தம் முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு இந்த கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே என்ன கட்டளை சரி ஐயா அப்படியே Ok, donc sa solution n'était pas vraiment la bonne. En fait, là, la stratégie, ok. Non, je pensais qu'en détruisant la merveille, ça l'aurait calmé. Comme il joue, il mourt. Non, il est vénère. Donc, comme il est vénère, on va lui détruire ses putains de châteaux, là, qu'il arrête de me casser les couilles. On va faire comme on a fait là. On va sauvegarder comme un débilos. Oh, t'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Go on the field. உங்கள் சித்தம் அப்படியே உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் ஐயா
On a pas de doigts chez moi, hein. On a foutre. Allez, shoot moi ça. On voulait la jouer fair play. Bah fuck le fair play. Un navire rempli de ressources est arrivé de temps. Mais on l'aura jamais mec. You know it, I know it, everybody knows it. La locomotive, on défend. உங்கள் சித்தம் Stop. Je kiffe tout ce que je kiffe. Continue.
Et les bestiaux? Ah ouais, tu veux venir? Allez, viens. Je peux te cheat. Il manque une guitarasse. Donc là, c'est Kittle War Double. Hein. On continue, on comble le trou. La terre remplie de ressources est arrivée de Tanja. Veillez à ce qu'il atteigne notre armée indemne. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu le niques. Ouais, en plus, ça rêve. Guérit aussi les unités. On devrait même plus en parler. Hein. Forteresse avant tomber. Hein. Se dispersent comme des oiseaux apeurés par le rugissement. Oui, bande de mauvais, bande de mauvais. Bon, je regarderai pour faire le succès. Hein. C'est mon tiki fou. Malgré l'humiliation que je lui ai fait subir, Maipala refuse de s'incliner. Il se retire et laisse l'est du Bengale ouvert aux attaques. Et ainsi, il sauve sa dynastie de l'annihilation. Une partie de moi admire sa résistance. Mais cette partie de moi doit mourir. Il ne peut y avoir d'admiration pour mes ennemis. Aucun respect pour ceux qui refusent d'accepter leur place dans ce monde que je crée. Pour l'instant, je vais laisser Maipala rapiécer les bouts de sa fierté brisée. Un autre prédateur, plus grand, a attiré mon regard. Arrêtera donc jamais. Ouais, c'est pas si dur que ça une fois qu'on a pillé le système, quoi.